Il est toujours pas là. Je voulais juste vous dire, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que normalement je suis tout le temps dans les vidéos, et là il m'empêche de parler, il me met dans des pièces, il m'enferme dedans et j'arrive plus à venir vous voir et je trouve ça. Je t'ai fait la porte. Non, laissez-moi s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez bien lu le titre. C'est direct, c'est comme ça, boum. Aujourd'hui on s'occupe de Weshden. J'en doute très fortement que vous ne la connaissez pas, ok. On l'entend partout, voilà, ça n'arrête pas. En plus, elle vient de sortir son premier album. Comment il s'appelle son album? Qui s'intitule 16. Ah, parce que c'est son âge. Qui s'intitule 16. Tout le monde se posait la question, quel âge elle avait, ok. À quel point que même quand elle faisait des radios ou des trucs comme ça, tout le monde lui posait la question, vraiment c'était trop demandé. Au final ça lui a même mis un petit coup de pouce en plus. Moi je dis ah ouais, fais ce qu'elle veut hein. Bah je pense qu'elle a répondu tout simplement 16, hein, elle a 16 ans. Ouais, elle a 16 ans, ouais, je dénais alors. T'as 23 ans. Ouais bah oui, ok, moi je... Arrête s'il te plaît. Pour revenir à la base, Weshden, donc elle a 16 ans. Comment elle a percé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a fait un titre, ça a fait... Je vous le réexplique, vous le savez tous, mais je le réexplique vite fait au cas où s'il y en a d'entre vous qui ne savaient pas, ok. Weshden a sorti un son qui s'appelle Anissa. Et ce morceau a été massivement publié, partagé sur le réseau TikTok. Et tout simplement, bah, ce morceau, il a pété partout. Après, il a parlé de lui sur certains sujets, mais on n'est pas là pour ça, en vrai. Je vous fais un... Ouais, on n'est pas là pour ça, je le dis à chaque fois, ouais. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, renseignez-vous à côté, hein. Nous, on est là pour le son, on rentre dans le vif du sujet. Comment faire du Weshden? C'est parti. Pour commencer, on règle le tempo, mais pour régler le tempo, faut savoir un petit peu le rythme. Comment c'est quoi? C'est rapide, c'est lent? Weshden, c'est du dansant, voilà, on se rapproche petit à petit du Aya, voilà, c'est... Moi, je le considère comme ça, ok? Donc, on va rester sur un petit truc un peu dansant, t'as vu? Donc, pour le tempo, je me suis mis 100 BPM. Je pense que c'est pas mal. Une fois qu'on a le tempo, comme d'habitude, on va commencer par aller chercher un instrument. Ainsi que la mélodie, hein, bien. Ouais, ça va ensemble. Donc, je pars en recherche, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Je crois qu'on va rester simple comme ça. Hein. En vérité, on va se dire la vérité. Hein. Ah, c'est lourd ça! Parfait, on va mettre un petit peu de reverb. Ok les amis, je pense qu'on est... Je crois qu'on est plutôt pas mal. Pour l'instant, on en est là. Maintenant qu'on a trouvé ça, j'ai cherché une contre-mélodie à ajouter quand même, parce qu'il faut pas que ce soit non plus trop vide. C'est parti. Ça va partir sur un truc simple, une guitare, quelque chose comme ça. De toute façon, ça va être très rapide, les amis. La prod va être très rapide, très simple, très efficace. Le titre va très certainement s'appeler « Comment faire du Weshden en 4 minutes », ok? Bon, même si la vidéo ne dure pas 4 minutes en soi, parce que je vous explique, il y a le fait que je tourne, donc voilà, il y a des trucs à préparer, tout ça. Mais en soi, la prod est terminée assez facilement, en fait. J'ai peut-être un petit truc, je vais essayer. Ouais, note, hein. Ça comble pas assez pour moi. Je vous fais écouter, mais je pense que je vais quand même rajouter encore autre chose après. Merci. Je recherche une troisième mélodie. Pitatikatu, apakikipititu. Oh, j'aime bien massif, hein. En ce moment, je suis très massif. Je suis très massif, t'as capté, genre mon chibre. J'adore. Ah, pourquoi pas? Ok, je crois que c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, il est un petit peu trop fort. On va tout simplement le mettre comme il faut. Bien évidemment, de la reverb.
Ok les amis, bah niveau mélodie on est pas mal hein. Trois mélodies très simples, ça donne ça. Ok bah on peut passer aux drums. Pour les drums, forcément, pour un style comme ça, on va commencer par le kick. C'est le style musical qui veut ça, le kick tous les temps, comme ça, et on répète. Voilà, ça donne le sourire parce que c'est mignon. Après avoir fait le kick, on va passer à la snare, qui va jouer, bien évidemment, en contretemps. Ouais. Ah, pourquoi pas. J'aime bien. Hop, vraiment en mode... Bah non. Voilà, c'est tout, copier-coller les gars. Je vais mettre 2-3 hi-hat, histoire de dire. Ouais, en mode tout simple, vous allez voir. Voilà. Là, je vais rajouter des shakers. Dans ce style-là, des shakers, c'est mashallah plus, plus, plus. Voilà, regardez ce que je dis aux parents. T'as capté ou quoi dans le dé? Bon bah écoutez les amis, on va passer à la basse hein. Pour la basse, très simple, on va prendre sub bass. Les amis, je crois qu'il faut pas faire très compliqué hein. J'ai trouvé ma petite basse, je pense, peut-être. De la D là. J'ai pas encore trop de variantes. En fait, j'ai trouvé faire plein de trucs, mais il faudrait tellement rester simple, s'il vous plaît. Mes amis, on a fini. Comme d'habitude, je vais faire les petites structures, le petit master, voilà, les petits niveaux qui est pas du tout divertissant pour vous, donc je le fais en off comme d'habitude. Pour vous, on se retrouve dans un instant avec peut-être une top line, je sais pas, allez, peut-être, je sais pas. Ça se trouve, il y en aura pas, ok? Donc faites-vous à l'idée que peut-être il y en a pas, ok? Sur ce, les amis, je vous laisse avec le résultat final. Bonne écoute. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé, hein, je le dis à chaque fois comme d'habitude, mais je kiffe, ok je kiffe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles, ainsi qu'à la commenter pour dire si ça vous a plu, pourquoi ça vous a... Et si pourquoi ça vous a pas plu, pourquoi... Si vous voulez des making of, des petits trucs, des vidéos en plus que vous n'avez pas sur YouTube, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je fais tout ça. Voilà. Allez checker ma chaîne secondaire dans laquelle je mets tous mes type beats, où je mets toutes mes prods, vous allez retrouver là-bas juste de la musique, juste ça. Mais n'oubliez pas le plus important, qui est de vous abonner à cette chaîne-là. On est de plus en plus nombreux, je voulais juste vous remercier, voilà, ça fait plaisir. Du fond du cœur, merci à vous d'être là. J'espère qu'on ira loin ensemble, ce n'est que le début. Comme d'habitude pour le prochain artiste, ou juste pour une idée de vidéo, un concept que vous avez en tête, bah dites-le moi dans les commentaires les frérots, je veux tout savoir, ok? Je vous fais des gros bisous la famille, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Raven, ciao.